Salut à tous, ici Sormanes pour la suite de nos aventures donc sur Darkest Dungeon. Alors aujourd'hui, petite mission tranquille, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être envoyer Wesh Polo, Breakit, Alex Hugo et Kerven, pourquoi pas. On retrouve un truc à leur portée, alors en novice. On n'a que du novice ou du vétéran, quoi. Y a pas l'intermédiaire. Non, ici, il y a le baron. Le problème, c'est que pour les missions vétérans, on n'a pas ce qu'il faut. Hein. Pour l'instant, on a éventuellement Gabi et ce sera tout. Donc, il faudrait. Est-ce que nos novices veulent bien aller justement dans une mission novice? Ah, c'est vrai qu'il y avait sirène. C'est vrai qu'il y avait sirène. Alors, complètement zappé ça. On va envoyer Wesh Polo. Némolochon. Rekit. Et puis Kerven. Oh là là, ça va piquer ça. Lui il préfère à 33. Okay. Bon, on va le tenter comme ça, on va bien voir. Être à la dèche de My thunes lofty aussi. Hein. Position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Il va falloir qu'on s'enchaîne quelques petites missions pour se refaire de la thune. I always wondered what became of the unfortunate little whiff. Allez, on va partir à droite. Oh. In radiance, may we find victory. Et là-bas, ça commence à paniquer au fond. Pour rien. Bah, mon dieu, un couloir. Il est peut-être couloirophobe. Alors, bien, les bustes. Oh. Une interception. Chercher ce monsieur Mérou. Impressive. Très bien, il devrait y passer. Alors, bon, il va y passer quoi qu'il arrive. Continue the onslaught. Destroy them all. Le bon 8 là derrière, et voilà, impeccable. Très bon premier combat pardon, pour l'instant. Ouais, bah ça sert à rien, on va passer le tour. Il aime pas passer son tour. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du crin-crin. A brilliant confluence of skill and purpose. Petit saignement là. As the theme falls, a faint hope blossoms. Premier combat plutôt bien.
deuxième combat. Alors, attention ici. Très bien, la première esquive. Superbe résistance de Wesh Polo. Ouais, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Ah, protection. Protection. Et bim. Voilà, ça buff, ça protège. Is broken. Maintain the offensive. Allez, très bonne résistance là aussi. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Tu peux nous faire ça. Voilà, 16 points. Press this advantage. Give them no quarter. Impeccable. Le Ptoceste. Avec le soin tout doucement. Ah, c'est pas gagné, hein. Il est bien chargé lui. Ah. Incroyable. Récupérer de la bouffe. Bonne chose. Là, pour le coup, on va pas cracher sur la bouffe et les lanternes. Les torches. Alors, petite pelle. Très bien, et on regagne une pelle. Là, on a un camp. Très bien, j'avais pas vu. Bon, bah, pelle gratuite. Débloquer un petit succès Steam. Passer de place dans l'inventaire. Hein. Déjà. Bien, bah tu sais quoi, c'est pas grave. Non, c'est les blasons qu'on va virer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais plus. Voilà. Torche. Ok, on continue d'avancer, on cherche Sirène. Sirène que il me semble on n'a pas trouvé l'autre fois. A handsome reward for a task well performed. Ah, du mérou et de la cagouille. Bien. Carven résiste. Zéro. Zéro, va peut-être falloir faire quelque chose pour la serpe de notre camarade. Mais c'est vrai que ça fait des millions d'années que on doit s'occuper de la forge. On n'a toujours rien fait.
attention parce que Nemo le Chou a perdu plein de points de vie là. Confidence surges as the enemy crumbles. Allez, on peut mieux faire mais c'est déjà pas mal. Wesh Polo, on compte sur toi. Bien, très très bien. Coup de serp bien optimisé. Très très bien, Wesh Polo. Alors attention parce qu'il va très certainement nous faire une petite période toute pourrave. À base de 0 et de critique à 1. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Bon, on va laisser tout ça, hein, tant pis. On les comptera quand même. Pas grave, on n'est pas là pour ça. Ah, c'est dommage qu'il ait pas saigné là-dessus. C'est vraiment dommage. Très très bien, la Wesh Polo, il est en forme. Il est motivé. Passer outre la protection, faut trouver les coups qui frappent plusieurs personnages à la fois. Allez, ça c'est fait. Le Discord. Bon, c'est pas grave, on va finir avec Discord hein, tranquillement. Alors, des petits soins où ça? Ici, 11. A dizzying blow to body and brain. L'esquive. Bon. Voilà, normalement ça devrait être bon là. Ici. Là. Évidemment, j'ai oublié d'utiliser l'autre coup. Essayer de remettre un peu d'aplomb hein, l'équipe avant, avant le grand combat, si jamais on tombe dessus. Ce serait pas mal. Eradicated.
pas insister plus. On a Kirven hein, qui va manquer quand même quelques points de vie. This expedition at least promises success. On part avec 5 trucs comme ça. Incroyable. Alors bah justement non. Ici oui. Ça va exorciser, tiens. Impeccable. Cette résistance. Alors on est ici, on va repartir dans ce coin-là. À un moment ils vont peut-être avoir faim aussi. Arrêtez ce saignement, mais bien sûr que si. Voilà. Miam miam. The match is struck. A blazing star is born. Bon, faut souhaiter que Sirène soit du bon côté, hein, parce que ça fait tout le chemin de retour là. Bien, bien, bien. Attention, parce que celui-là il explose. J'irai de pas l'oublier. Essayer de lui faire baisser ses points de vie le plus vite possible à lui. Oh dommage. Un point de vie près. Great is the weapon that cuts on its own. Une bonne nouvelle, maintenant il va falloir s'occuper de lui. Oh là là. C'est Kirven qui va prendre. Aïe. Ça va être compliqué. Ne t'écroule pas. Voilà, on est là pour toi. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. On prend pas de risque à attendre hein, que ça saigne. C'est pour qu'il lui reste un point de vie et qu'il nous mette encore une attaque. Bien pourri dans la tête. Ah, je peux rien faire d'autre, bien. Ouais, 4 wesh polo, il faut y aller là. Il faut y aller. Saignement, c'est bien. Quand même l'esquive très très bien, ça très très bien. Si on peut mettre un coup de wesh polo là dessus on pourra peut-être pas, on pourra peut-être pas. Alors attendez, ce qu'on va faire c'est traîner un petit peu. Voilà, ok, maintenant. Ah non, tu peux pas, tu peux pas. Tiens, allez, sur le soigneur. Il s'agit de terminer la baston vite. Une chose de faite. Alors on a plein de bouffe. Il y a plein de thunes aussi. Ce qu'on va faire éventuellement c'est camper ici. Ça pourrait être une bonne chose. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Alors les points de vie ça va aller. Il y a moins 25 et tous les autres plus 5. Moins 20, moins 10 pour tous les compagnons. Ah c'est bien ça. Ça c'est cadeau. 13 moins 20 et un compagnon plus 20. Mince. Un compagnon moins 15. Ensuite, très bien. Non, on aurait pu faire ça, dommage.
Ici, un petit soin éventuellement, on a 5 points encore. Points. Il nous reste un point. On peut faire un truc avec ça. Rien du tout. Bien. Bon, ça aurait été une bonne soirée. Je suis prêt pour le combat. Laissez-les approcher. Bon, c'est ça. Pas de sommeil pour nous. Nous marchons vers la victoire ou vers notre perte. Garde manger est bien approvisionné, et quels que soient les dangers que nous affronterons, la famine n'en fera pas partie. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Ça, on n'y touche pas. C'est bon, on a déjà vu. C'était il y a très longtemps, mais on l'a vu. Je vous invite à revoir les premiers épisodes si jamais vous êtes curieux. Le combat juste avant le combat final, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, il va faire mal celui-là. Avec un peu de chance, on va bien le gérer, mais bon. Alors on va arriver en pleine lumière hein, ici. Voilà, faudra penser à prendre l'os du chien. Bien, il n'y a que du mérou. Alors attendez, peut-être qu'on n'a pas besoin de l'os du chien là. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ça se passe pas bien du tout. Les points de vie qui ont disparu là, c'est une horreur. Ah bah 3, super. C'est pas comme s'il y avait un boss juste derrière. Bon, mais on a bien fait hein, quand même de prendre le campement à ce moment-là. Et là, on n'aurait pas pu le prendre entre les deux. Si on n'a pas trop à craindre pour notre stress, ça, c'est une bonne chose. Oh la vache. Justement, je disais ça, et bim. Critique plus stress. Bon. On peut jouer un peu? Comment ça se passe? Allez, le clébard, on va finir qui? On va finir lui. C'est pas mal. Il s'agit de les finir pas trop vite aussi. Il faudrait qu'on arrive à soigner tout le monde. Aïe. 13. Impeccable. Bien joué. Continuer comme ça. Annihilated. Bon, alors là, on pourrait le finir. On pourrait le finir, mais on va temporiser pour essayer de soigner du monde. En souhaitant que là, il y ait de l'esquive, non? Trop temporiser non plus parce que sinon bah soigne-toi toi hein, du coup voilà. Oh, on s'en fout. Allez. Coup qui sert à rien. Impeccable, alors maintenant si on peut crever ce mérou, c'est le moment.
Vas-y, esquive. Ben. Allez. Ah. Ah, l'esquive du Mérou. Incroyable. Voilà. Bon, le timing n'a pas été trop mauvais. On a réussi à soigner quand même un... Non, pas un maximum les gens, mais... On a fait ce qu'on a pu. Tiens, bah là on arrive d'ailleurs sur la dernière salle. On peut craquer toute la bouffe. Qu'est-ce qu'on peut craquer d'autre? Rien. Peuvent également être utilisés sur un héros. Ôter les malus de combat. Alors ça. Voilà, on balance tout. Et là on y est. On y est, enfin on croise la dame. Allez, oh la vache, ça va être long. 119 points de vie. 119 points de vie, bien, bah écoute, vas-y. Hein. Vas-y, vas-y. Alors, faut que ça saigne. Bien, 100 points de vie. Oh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. Bon, c'est pas le pire des personnages, heureusement. On a pas pris notre soigneur. Ok. Non, mais on va pas buter notre camarade quand même. Zéro. Et. Si elle nous enlève qu'un point de vie à chaque fois, ça va. Esquive. Ah, il revient. Je suis désolé. Écoute, t'as failli te prendre un gros coup d'épée dans la tronche. Oh là là. Ça, c'est moins bon. Et bim. Saignement, 73 points de vie. Triple esquive qui va bien. L'esquive synchronisée, discipline olympique. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous met là? Ah oui, l'os du chien. On a complètement oublié ça. Voilà. L'os du chien. Miam miam. Toi, on peut rien faire d'autre. Craquer une torche vite fait. The promise of safety. Ah. On peut rien faire. Marque la cible. Protection moins 20. Bon, ben on va faire ça déjà. Ce sera peut-être la dernière chose qu'il aura fait de sa vie. Oh, et bim. Oh, purée. Intervention qui revient vite. Oh, le critique à 14, incroyable. Il tombe vraiment bien celui-là. 62. On va peut-être voir le jour s'il arrive à... Qu'est-ce qu'il fait? Ouf, tant mieux. Tant mieux s'il fait des coups comme ça. Ça va très bien. Bon, bah alors là, tu peux rien faire, mon gars. On recule ici. Le gros bordel, hein, maintenant dans l'équipe, là. À cause de la sirène. On a des mecs absolument partout et partout où il faut pas. Ah bah voilà, lui il devait aller devant, mais il devait aller devant ici. Pas devant là. Ouf. Ok, il s'en prend au soigneur. Tant que le soigneur est là, on a une chance. Oh, elle esquive encore, mais décidément. 56 points de vie, saignement. 13, bien, très très bien là. Wesh Polo au top de sa forme. Bon, allez, rendons les molochons un peu qu'on te mette des 10 dans la tête. Oh là là, ça c'est pas bon. Oh la vache.
Oh la vache! Jamais il nous a fait ça. Là, faut vraiment que ce soit le boss qui l'ait recruté pour qu'on arrive à des extrémités pareilles, un critique à 30 quoi. Némolochon, s'il passait 12, c'était déjà la fête. Hein. Oh là, l'agonie. On a rien pour le soigner. On a rien du tout. Il y a 46 points de vie, on peut le faire. On peut le faire, mais il faut que. Notre Wesh Polo survive. Ok, c'est très bien. Allez, Wesh Polo, soigne-toi. Je peux bouger que d'un. Oh purée. Ouais, lui, ce sera pas grave s'il est derrière. On va avancer. Allez. 38 points de vie. Mais elle en a après. Oh, très très bien! Très très bien! La première fois qu'il y a. Oh, troisième fois qu'elle esquive le clébard. Hein. Je me demande comment une bête aussi grosse peut esquiver des trucs. Encore à l'agonie. Non! More dust. More ashes. Oh là là, Wesh Polo! Regretter Wesh Polo, là tu vas nous manquer beaucoup. Il va nous manquer beaucoup. 15. Il lui reste 19 points de vie. Est-ce qu'on peut le faire? Ça va être un nouveau décès. C'est pas un décès, mais alors là, tu vas l'appliquer. 19 points de vie, quoi. On a plus rien pour se soigner. On peut réutiliser l'os, peut-être, pour, sur le... Mais on peut rien faire avec ça. C'est la PLS. C'est la PLS. Vas-y. The ground quakes. Il reste 16 points de vie. 14. On récupère absolument Némolochon avant la fin. Oh là là. Oubliez de bouffer l'os. Oubliez de bouffer l'os. A hand breadth from becoming unwound. Oh, ce combat des ténèbres, quoi. 12 points de vie. Agonie. Au secours. Au secours. On peut rien faire. Hein. On va pas bouger. On va mettre sur soi. Esquive plus 10. Ah, donc ce sera sur lui. On a récupéré Némolochon. Est-ce qu'on peut le conserver un tour? Ce serait bien. 10 points de vie. 10 points de vie. J'espère qu'il faudra pas buter cette truc aussi. 10 points de vie. Allez, vas-y. 6 points de vie. Purée. Ici, on a Kerven hein, qui voit la lumière depuis des jours et des jours. Némolochon qui décède. Purée, elle coûte cher. Elle coûte bien cher cette sirène. Wesh Polo. Némolochon. Il lui reste 2 points de vie. Purée. Ouah. Ouah. Il reste Break It 2 et Kerven. Oh la vache. Quel combat, quoi. Quel combat. Bon, on récupère des objets pas si ouf que ça, en plus. Tout ça pour ça. Ouais, bah attends. Attends. Ok. On va récupérer ça. Qu'est-ce qu'on peut balancer d'autre? On peut balancer tout ça. On peut balancer ça. Non, tu veux pas, non. Voilà. On va balancer tout ça. Et puis on va rentrer à la maison tranquillement. Non, on va pas continuer l'aventure, non, non. On va rentrer. Oh la vache, j'y croyais pas là.
Si on va récupérer ça quand même, le cru de l'ancêtre, la très rare soif de la malédiction retardée. Et c'est chaud, hein, les niveaux 3 ils veulent pas y aller dans ces combats-là, mais alors les niveaux 2 ils sont vraiment limites quoi. Maîtrise des armures, coût d'amélioration d'armure, moins 20%, c'est parfait ça. Malheureusement, on aura eu deux décès, hein. Wesh Polo et Némolochon nous ont quittés. Le pauvre caretaker, je fear que ses longues standing duties here have affected him. Ah là là. Un aliéné excommunié se retourne contre l'infestation croissante. Stimulé par la conviction, il est sans pitié et exécute son travail en causant d'extrêmes préjudices. Le fanatique traquera les groupes contenant des héros infectés. Tout à fait. Je crois pas qu'on ait des héros infectés. Nous. Et on a quand même réussi à vaincre la sirène, donc. Il nous reste beaucoup de choses à faire, hein. Attention. Des millions de trucs à faire. Mais bon, petit à petit on avance. Alors 14 000 balles, c'est pas énorme. 14 000 balles, c'est pas énorme. Est-ce qu'on a des gens à soigner, genre Brekit? 1700, waouh. Carven, voilà, 850 c'est beaucoup mieux. Allez, il va aller boire avec Kars. Oui, du coup on a un soigneur en moins. Alors on a Durandicus 2 qui est niveau 2. Altar qui a adopté. Darcy qui a adopté également. Guernon qui a adopté, Guyot qui est adopté. Et Don Quichotte qui est le personnage de ces personnes. Bien, bien, bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi en souhaitant qu'il vous ait plu. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao.